خوتي وداتي مسي الخير لكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول فلاون j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui parce que je suis très ému de ce qui arrive à nos collègues de Maghreb émergent. Le dernier média plus ou moins libre et indépendant en Algérie vient d'être perquisitionné et fermé par les autorités algériennes. Le siège de Maghreb émergent qui abrite la radio libre Radio M et le site d'information francophone et arabophone Maghreb émergent qui a deux versions francophone et arabophone dans laquelle écrivent les dernières plumes libres de la presse en Algérie, Qadi Hassan, Saïd Boudour et toute l'équipe de Radio M et Maghreb émergent, les services de sécurité, les services secrets, la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, viennent de perquisitionner ce 24 décembre en fin de journée les locaux de Maghreb émergent situés à Alger Centre, alors que Qadi Hassan, le directeur de publication, a été arrêté à minuit et demi ce 24 décembre, donc au début de la nuit, dans la nuit du 23 au 24 décembre. Donc c'est un cadeau de Noël que Abdelmadjid Tebboune, le régime Tebboune, vient de consacrer ou d'adresser ou d'offrir à la liberté de la presse en Algérie qui a été ainsi définitivement enterrée et qui est définitivement enterrée. Le seul média qui critiquait plus ou moins et qui se permettait de publier des articles critiques depuis Alger contre le régime algérien vient d'être fermé. Je dis bien que les services de sécurité ont mis sous scellé les locaux de Radio M et Maghreb émergent, les ordinateurs, les équipements informatiques, les outils informatiques de ce média ont été saisis, ont été pris et récupérés par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, à savoir les services secrets algériens. Les services secrets dans un monde complexe, dans un monde où risques, menaces multisectorielles et multiples, qui se mobilisent pour fermer un média. Des journalistes connus, identifiés et nationalement reconnus comme étant des journalistes indépendants en Algérie, Qadi Hassan Maarouf, Marouch Erabi. Il était déjà placé sous contrôle judiciaire depuis pratiquement 2 ans. Je vous rappelle que Qadi Hassan fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été placé comme la date, Yajma'a. Kharitha, Yajma'a. Kharitha, Kharitha, Kharitha. Kharitha, بمعنى الكلمة. Qadi Hassan, il a été placé sous contrôle judiciaire depuis le 18 mai 2021 avec la confiscation de son passeport. Il a été poursuivi pour plusieurs chefs d'inculpation, notamment pour appartenance à une organisation terroriste. Alors, la justice algérienne, des fois, lui reproche des incohérences avec le MAC, des fois, lui reproche des incohérences avec la CHED. Bien sûr, vous aurez compris, c'est des procédures insensées, infondées, irrationnelles, dont le seul objectif est de faire taire définitivement Qadi Hassan et Maghreb émergent. Qadi Hassan, en dépit du contrôle judiciaire auquel il était soumis, avait poursuivi son travail de journaliste et de commentateur de l'actualité algérienne. Je ne suis pas d'accord avec Qadi Hassan sur plusieurs points. Il y a plusieurs sujets de dissension ou là de divergence. Il y a plusieurs sujets et malentendus qui m'opposent. Ou là, il y a plusieurs désaccords, pour être plus précis, qui m'opposent à Qadi Hassan. Je n'apprécie pas la personne dans toutes ses positions intellectuelles sur certains sujets de l'actualité algérienne, mais je suis totalement solidaire avec lui et je dénonce et je condamne avec la plus grande fermeté et la plus grande rigueur et vigueur l'arrestation de Qadi Hassan, qui a été arrêté à minuit et demi à Yatolo Antar, la caserne Antar, le centre principal des opérations de la DGSI, le CPO de Antar. A Yatolo au téléphone à minuit et demi, quand tu dois te déplacer en urgence. C'est ce qu'il faut, Antar d'abord t'appelle au téléphone. Pas que tu dois venir en urgence. Mais, je suis à Zemmouri. Voilà, donc il avait une résidence secondaire à Zemmour et là où il est de Bombardès et je ne peux pas venir pour le moment. Est-ce que ça peut attendre demain matin? Je suis loin. Suite à cet appel téléphonique, les enquêteurs de la DGSI mobilisent une équipe qui partit directement à son lieu de domicile au niveau de Zemmouré pour l'arrêter et pour lui demander de le suivre. Ça s'est passé à 2h du matin, plus exactement
deux véhicules se sont présentés chez lui pour procéder à son arrestation. En cette fin de journée de ce 24 décembre 2022, une équipe de la DGSI s'est présentée au siège de Maghreb Émergent. Il était menotté Qadi Hassan, ce qui signifie qu'il était en état d'arrestation et qu'il a été placé en garde à vue et que cette fois-ci, il risque gros, en plus du contrôle judiciaire auquel il a été soumis depuis le mois de mai 2021. On voit mal comment Qadi Hassan va maintenant s'en sortir. Il risque d'être incarcéré et je pense que c'est le sort qui lui sera totalement réservé malheureusement. Pourquoi Maghreb Émergent est fermé en ce moment? Bien sûr, son site est toujours accessible, mais ses locaux sont fermés. Son directeur de publication, il est arrêté en état d'arrestation. Et je pense, comme je vous ai dit, il va pas tarder à être incarcéré. Pourquoi maintenant? Parce que Tebboune est en colère noire à la suite d'un article qui l'a fortement dérangé, qui a été publié par Qadi Hassan, qui a été publié, je vous donne la date, le 17 décembre 2022. Cet article-là, c'est un écrit, une contribution, une analyse de Qadi Hassan sur les rapports qu'entretient Abdelmadjid Tebboune avec l'armée. Qadi Hassan est parti à développer un point de vue qui lui est propre. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il tient les informations qui lui permettent d'aborder ce point de vue. En tout cas, Hnaïf et Algiripat, on a eu un autre point de vue. Les relations entre l'armée et Tebboune ont été explorées à Algiripat d'un point de vue différent. Nous avions expliqué récemment au Konnablé, c'était comme la date de l'émission Yannès. Je te fais un mot, Hnaïf, qu'on avait abordé ce sujet-là. Voilà, c'était le 17 décembre 2022, comme par hasard le jour même. On avait expliqué que les trois démarches de Tebboune pour mettre l'armée dans sa poche